Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs, selon l'heure à laquelle vous nous suivez ou que vous soyez dans le monde, bienvenue dans cette émission Devoir de savoir. Le Congo-Brazzaville, comme vous le savez, est en pleine crise socio-économique. Tous les indicateurs sont au rouge, les dernières conclusions du FMI en témoignent. Faut-il encore rappeler la phrase de Christine Lagarde qui disait qu'il faut sauver un peuple, allusion faite au peuple congolais. Mais curieusement, pendant que les Congolais attendent des solutions à ces problèmes qui minent le Congo, voilà que le pouvoir de Brazzaville vient d'annoncer une concertation qui se tiendra bien entendu à Madinou, concertation politique. C'est de cela que nous allons parler avec M. Simon-Pierre Moussounda. Bonjour Simon-Pierre. Bonjour M. Christian Perrin. Comment devrais-je vous titrer, mon colonel ou M. Moussounda Pierre? Oh, les deux vont de pair, hein, ça dépend de l'angle sur lequel on prend la question. Colonel sous les drapeaux, oui, mais après avoir atteint l'âge limite pour la retraite, hein, on redevient citoyen, on retrouve la patrie, on retrouve le devoir. Et donc, je suis le colonel Simon-Pierre Moussounda, bien sûr, mais au service de la nation, d'un peuple et d'une cause que nous allons défendre tout à l'heure à travers le Congrès pour la renaissance du Congo. Donc, c'est colonel Simon-Pierre Moussounda. Quand un colonel s'engage, ça veut dire qu'il mettra ses galons, c'est bien cela. Oh, pas du tout. Là, vous parlez politique. Pas du tout. Il ne s'agit pas d'aller à la bataille. Il y a eu des temps pour ça. Nous sommes là sur une bataille plutôt politique. Et donc, sur le terrain politique, comme l'ont été les généraux de Gaulle et tous les autres, le grade, on le garde toute la vie, mais l'action est politique, l'action citoyenne. L'action n'est plus sous les drapeaux. Et quand on sort quand on quitte les drapeaux, on s'engage pour son peuple, on s'engage avec sa passion, avec sa foi, avec ses idées. C'est le cas aujourd'hui. Merci mon colonel et merci d'accepter d'ailleurs notre invitation. Après plusieurs dialogues et concertations tenues au Congo, et le plus souvent c'est à l'approche des élections majeures au Congo-Brazzaville, il y a toujours des dialogues. Pourtant, le Congo dispose d'une constitution et d'une loi électorale qui devrait normalement réguler ce genre d'événements, ces élections. Mais pourquoi toujours des dialogues avant les élections? Je crois que c'est même un acte de capitulation du pouvoir face à un peuple qui ne le suit plus. C'est une énième ruse que le pouvoir de Brazzaville tente. Mais en réalité, c'est du marketing politique, mais usé. Dans nos bars, dans nos quartiers à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie, à Nkaya, à Ouesso, on dirait que le disque est troué, parce qu'il y a déjà eu 6 dialogues. Qu'est-ce qu'ils ont donné? Aucun résultat. Ils n'ont jamais permis d'installer une véritable démocratie, un processus de liberté, de développement dans notre pays. Et le dialogue de Sibiti et le dialogue de Ouesso, le dernier celui qu'on a vécu à Sibiti, c'est toujours une forme d'entourloupe que le pouvoir utilise chaque fois qu'il est coincé pour essayer de sortir. Mais au-delà de ça, c'est un message qu'il essaie d'envoyer à la France. Il va y avoir d'ici quelques jours un voyage annoncé du ministre français des Affaires étrangères. C'est un message qu'il essaie d'envoyer, mais je pense que le monde n'est pas naïf. D'ailleurs, on verra ce que ça va donner. Mais le dialogue qui est annoncé à Madingou est une entourloupe. Ceux qui vont y aller, ils vont y aller pour chercher des stampotins politiques, des fonctions pour gagner, pour trouver de l'argent. Mais on ne peut pas y aller si on pense qu'on peut sauver un peuple. Donc, probablement qu'on va revenir sur la visite de Yves Le Drian au Congo. Alors, mais une nouvelle concertation, disais-je tout à l'heure, est annoncée pour novembre 2020 à Madingou. Avez-vous pris connaissance des enjeux de cette concertation, notamment les points à l'ordre du jour de cette concertation politique? Évidemment, parce que nous suivons de près ce qui se passe chez nous. C'est pour ça que nous sommes engagés dans une démarche politique. Et donc, tout ce qui se fait chez nous nous concerne. Nous sommes au courant, nous suivons. Nous savons que par arrêté ministériel, en date du 14 octobre, je crois, le gouvernement de Brazzaville a convoqué, parce que c'est une convocation, ce n'est pas une invitation, a convoqué 45 formations politiques que nous mettons entre guillemets. Je ne sais même pas si ce sont des formations politiques. En fait, c'est des suppôts qu'ils ont convoqués à Madingou
pour essayer de donner l'image à l'extérieur d'un pays démocratique qui respire, pour essayer de sortir d'une espèce d'étouffement dans lequel il s'est plongé lui-même. Mais ce dialogue qui est convoqué à Madimbou ne concerne pas le CRC. D'ailleurs, on verra parmi les personnes convoquées sont généralement les mêmes qui vont pour les tapotins politiques, qui croient rentrer au gouvernement, qui croient recevoir un peu d'argent, mais le peuple n'y trouvera jamais son compte et de toute façon, le peuple n'ira pas, ne sera pas représenté, on le verra. Et donc, nous sommes au courant, ça ne nous intéresse pas, tout de suite, nous le disons. C'est une démarche qui est nocive, c'est une démarche qui est dangereuse et c'est une démarche que les Congolais seront appréciés à leur juste valeur le moment venu. Mais que le pouvoir du président ne se trompe pas, ce n'est pas par là qu'il faut passer si on peut le sortir de là. Oui, monsieur Moussonda, mais pourtant tout le monde est d'accord de dire que la concertation, le dialogue est la forme la plus aboutie pour le règlement de toute crise socio-économique, des petits conflits. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, le pouvoir de Brazzaville vous tend la main, je ne l'ai pas participé. Déjà, le pouvoir, c'est à qui tend la main. Le pouvoir tend la main à ses suppôts, à ses hommes politiques déguisés, qui n'ont pas l'intérêt national principal objectif à atteindre, mais qui veulent régler les problèmes personnels. Donc nous n'irons pas là-bas, le dialogue de Madingou ne concerne pas les véritables résistants, ne concerne pas les citoyens qui pensent qu'il faut sortir d'une logique dans laquelle, il y a voilà bientôt 60 ans, le Congo est plongé, et donc ce dialogue pour nous est une entourloupe, qui est une démarche qui est criminelle, quelque part, politiquement je veux dire, et qu'il faudra juger à sa juste valeur. Vous parlez de la visite de Yves Le Drian au Congo, je crois que c'est en novembre. Nous savons également qu'en octobre 2015, alors que Denis Sassou Nguesso était en difficulté, nous sommes là en pleine campagne référendaire, heureusement, François Hollande va déclarer que Denis Sassou Nguesso avait le droit de consulter son peuple et le peuple devrait répondre. C'était une forme de caution diplomatique internationale. Et aujourd'hui, Sassou Nguesso, une fois de plus en difficulté, je l'ai relevé d'entrée de jeu, les indicateurs sont au rouge, il y a une crise socio-économique sans précédent, et c'est à ce moment que finalement, Yves Le Drian décide d'arriver à Brazzaville. Comment vous interprétez ce comportement de la France politique face au Congo? Bon, déjà, je pense qu'il y a un message qu'il faut décrypter. L'avant-dernier président français, c'est François Hollande. Bien sûr, on peut penser ce qu'on pense de ce qu'il a dit à l'occasion des élections et du référendum de 2015. Mais il n'a jamais mis les pieds à Brazzaville, capitale de la France libre, pendant son mandat. Nous sommes aujourd'hui avec un jeune président, Macron, la quarantaine, donc la génération du XXIe siècle. Il est à 2 ans de la fin de son mandat, il n'a pas mis ses pieds à Brazzaville. Le déplacement d'un ministre des Affaires étrangères, c'est peut-être une forme de démarche, comme on dit au niveau international, c'est une démarche normale de déplacement, de gestion des États. Mais en réalité, le véritable message que va envoyer la France officielle politique à Brazzaville, c'est de dire qu'elle ne marche pas avec lui. Elle ne marche pas avec lui puisque le président français, qui devait être là à l'occasion d'une fête comme celle-là, 80 ans de l'arrivée du général de Gaulle, qui est une icône pour la France, le président Macron aurait pu faire le déplacement. Mais le président Macron visite les démocraties, les pays qui portent sur l'avenir. Quand le Burkina Faso l'invite, il y va. Quand le Ghana l'invite, il y va. Mais quand Brazzaville, capitale de la France libre, l'invite, vous voyez bien qu'il n'y va pas. Il envoie quelqu'un aller porter un message. Et je pense que les Congolais doivent comprendre une fois pour toutes que la France n'est pas avec Sassou, que la France ne soutient pas Sassou, que nous avons à prendre sur nous la responsabilité de mettre un terme à ce qui se passe chez nous, sans craindre de ce que peut penser la France. C'est d'abord le Congo, la France après. Donc le message est clair. Si le président Macron pensait que le président Sassou, appelons-le président comme ça, est une personnalité fréquentable, il se serait rendu sur place à Brazzaville pour honorer un engagement important, 80 ans de la vie ou de la présence du général de Gaulle à Brazzaville. Il n'y va pas. Donc le message est clair. Je ne viens pas te voir, tu n'es pas un ami de la France libre, tu n'es pas un ami du Conseil national de la Résistance, je ne viens pas te voir, je t'envoie quelqu'un qui te porte un message, point. Donc les Congolais doivent l'entendre comme ça. Et on n'oubliera pas qu'il y a quelque temps, Yves Le Drian s'adressait à Sassou Nguesso, lui demandant de libérer les prisonniers politiques, notamment le général Mokoko et André Okombi-Salissa. Cela a été un ordre en vain. Et curieusement, aujourd'hui, il arrive à Brazzaville. Mais avant d'arriver, une concertation politique est organisée sans ces deux
grands leaders qui sont bien sûr représentatifs, est-ce que le dialogue ou la concertation dont on parle n'est pas un préalable exigé par la France? On ne pensait pas comme le disent les autres. Si c'est le cas, ça c'est une erreur tactique, disons-le comme ça. Parce que un dialogue, quoi qu'il soit, de quelque niveau qu'il soit, ne peut pas être un élément qui peut permettre aux Congolais aujourd'hui de résoudre le problème de fond. Vous avez souligné l'absence de deux personnalités importantes, Jean-Marie Michel Mokoko et Okombi Salissa, à ce dialogue qui ont été condamnés. C'est évident qu'on ne peut pas aller à un dialogue avec des gens en prison, mais on citera bien d'autres. Il y a les Polé Makaya qui sont quelque part comme coincés dans des quartiers populaires qui ne peuvent pas bouger. Donc ce dialogue, une fois de plus, qui se déroule à Madingou, c'est-à-dire à 38 kilomètres de Nkayi, une ville qui a été en ébullition il y a à peine 2-3 semaines, parce qu'on y a assassiné une jeune dame et que les populations ont montré leur capacité, leur mécontentement en se révoltant. Et d'ailleurs, le fait que le pouvoir ait utilisé de l'argent pour corrompre, pour calmer, est une preuve de ce que c'est le pouvoir fait un aveu d'incompétence et d'impuissance face au peuple. Et donc ce dialogue qui est organisé à Madingou est une entourloupe qui ne mènera nulle part. C'est une ruse contre laquelle nous nous battrons bec et ongle, et contre lequel nous mettrons en place, si vous voulez, des systèmes de communication à l'intérieur pour montrer la limite d'une telle action. Aujourd'hui, ce qui est important pour les Congolais, c'est de s'organiser pour prendre sur eux la décision de mettre un terme à ce système. Voilà. Comme tous les peuples du monde, quand ça ne marche pas, on se lève, on arrête la machine. Et nous travaillons sur ça, sur cette question. Monsieur Moussounda, vous n'êtes pas pour les élections, vous n'êtes pas pour le dialogue, mais votre lutte que vous menez, l'objectif, c'est quoi exactement? Mais observons la marche du monde. Tous les peuples du monde qui sont libérés sont levés. Et les faits les plus récents, les événements les plus récents, c'est au Burkina Faso, nous le citons suffisamment. C'est en Tunisie, nous en parlons tout le temps. C'est au Soudan, nous en parlons tout le temps. Quand les peuples se sentent trop opprimés, elles doivent prendre sur elles de se soulever, de s'organiser. Bien entendu, il faut un leadership politique. Bien entendu, il faut l'organiser. Bien entendu, il faut contrôler pour éviter les dérapages qui peuvent après se terminer par des bains de sang. Mais il n'y a pas d'alternative. Tous les peuples du monde qui sont libres aujourd'hui sont passés par là. La France dont on parle aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu le CNR qui s'est levé dans les années 39-45, je pense que la France ne serait pas libre aujourd'hui. Pour ne prendre que cet exemple. Donc nous disons qu'aujourd'hui, un dialogue tel qu'il est organisé à Brazzaville n'est pas une démarche, n'est pas un processus qui permet de sortir le Congo de la ruelle. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes contre le dialogue. Le dialogue pour lequel nous travaillons, en étroite collaboration avec des compatriotes sur le territoire, sur lequel nous travaillons, avec des compatriotes qui sont en exil, c'est un dialogue qui actera la fin de cette dictature. C'est un dialogue qui actera la fin de 60 ans de brigandage politique. C'est un dialogue qui tournera la page et qui ouvrira une nouvelle page pour la renaissance du Congo-Brazzaville. Et cela, c'est cela que nous travaillons dessus. En 1997, Denis Sassou Nguesso menaçait prendre les armes contre Pascal Issouba si jamais il n'organisait un dialogue sous l'égide, bien entendu, de la communauté internationale, notamment l'UNESCO. Et en ce temps-là, on se souviendra que c'est Federico Maior qui avait supervisé ce dialogue. Et pourquoi vous, aujourd'hui, de l'opposition, vous êtes incapable d'arracher la même chose, c'est-à-dire un dialogue, comme l'appellent d'ailleurs les Congolais, inclusif, sous l'égide de la communauté internationale? Déjà, je ne sais pas si nous appartenons à l'opposition. On s'oppose à quelque chose qui existe. On s'oppose à un régime démocratique. Le Congo n'a pas un régime démocratique. C'est une dictature. Donc nous ne pouvons pas être dans une opposition face à une dictature. Nous sommes dans une résistance. Nous sommes dans une démarche de libération des populations. Nous sommes dans une démarche d'action sur le terrain. En 1997, évidemment, les enjeux étaient tels et les rapports de force tels que la communauté internationale s'est impliquée. Mais parce qu'il y avait également la volonté des gouvernants en place de s'ouvrir, de discuter. Et nous nous souvenons qu'en ce temps-là, l'actuel dictateur qui se comportait en ce temps-là en loup en peau d'agneau avait tout fait pour qu'on obtienne cette espèce de rencontre au sommet. Cette rencontre a eu lieu. Les exigences du gouvernement de l'opposition en ce temps-là avec M. Sassou, qu'il a été avec le président Issouba, Sassou surtout, avait été analysé quelque part. Il y a des démarches qui avaient été mises en place. Sauf que
ruseux qu'ils étaient, je parle du régime actuel, qui était en ce temps à l'opposition, qui savait qu'ils ne peuvent pas gagner les élections par les urnes, mais ils avaient juste trouvé la stratégie pour pouvoir utiliser la force et prendre le pouvoir. Bon, ça c'est une part de l'histoire qui est tournée, qui a ses travers, qu'il faudra analyser. Les historiens trouveront les bienfaits, les méfaits et tout ce qui peut être traité. Aujourd'hui, les rapports de force sont tels que si nous allons sur le terrain du dialogue avec un gouvernement militarisé à outrance, qui essaie d'utiliser les moyens coercitifs, violents, et qui tire sur tout ce qui bouge, et le cas de merveille, Bazonzila est un cas parlant, mais si on remonte, les cas sont nombreux, avec ce gouvernement, un dialogue n'est pas possible, même quand on met sous le joug, tout le joug de la communauté internationale. Donc nous insistons, nous répétons, et nous dirons tout le temps que nous pourrons, pour sortir de cette logique, de ce système qui est actuellement en place au Congo-Brazzaville, il n'y a pas mille choses à faire, c'est que les Congolais se prennent en charge et que le dialogue soit une forme de d'organisation ou de démarche qui acte la fin de cette dictature. Parce qu'on ne peut pas discuter avec un dictateur. On ne peut pas dialoguer avec un dictateur. On se termine généralement par la victoire du dictateur qui a des moyens, qui sait ce qu'il organise. Donc le dialogue de Madingu, ou le, je ne sais pas comment on peut l'appeler, c'est un monologue. Ce monologue est une ruse qui est en fait un os qu'on jette aujourd'hui dans la rue pour que, alors je ne veux pas être méchant, pour que ce que j'évite de qualifier aille sur ses os est une démarche dangereuse et irresponsable. À un moment donné, ils répondront devant les populations de cette démarche qui donne à la communauté internationale une espèce d'ouverture et qui donne l'impression que le pouvoir de Brazzaville est crédible. Il n'est pas crédible. Pour preuve, le FMI l'a verrouillé, la diplomatie l'a verrouillé, au niveau politique il l'a verrouillé, au niveau social il l'a verrouillé. Donc, la balle est dans le camp des Congolais pour parachever une œuvre qui, au niveau international, est presque en place depuis longtemps. Monsieur Moussounda, parlons de l'action que vous menez, puisque vous avez dit que vous n'êtes ni pour les élections, ni pour le dialogue. Mais est-ce que, dans votre lutte, vous êtes en relation avec les institutions de la sous-région? Je parle de la CEMAC, l'Union africaine. Et... Bien sûr, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, nous essayons de passer le message, de parler à d'autres, de leur faire comprendre que Brazzaville va vivre des moments difficiles, à très court terme, c'est évident. Avec ou sans nous, le Congo va réagir, les Congolais vont agir, ils vont se libérer. Ce n'est pas une question du CRC, c'est une question de vie générale, de vie. Et quand on est sur l'existentiel, personne ne peut arrêter une personne qui a besoin de vivre, d'agir. Et donc quand nous voulons nous adresser, ou quand nous adressons au pays de la CEMAC, aux pays de l'Union africaine, qui ont aujourd'hui la responsabilité de la gestion de ces entités sous-régionales, leur disant qu'il faut prévoir, qu'il faut regarder, qu'il faut lire entre les lignes. Et nous sommes ouverts, tels que nous sommes, CRC, pas nécessairement, mais l'ensemble des résistants, de ce qu'on peut appeler opposition, même si nous ne sommes pas réellement opposants, nous sommes ouverts à des échanges, à des débats autour de la question du Congo-Brazzaville, pour éviter de vivre des drames demain, pour éviter d'être comptable d'une situation qui pourrait être dramatique, nous estimons que la communauté internationale, et particulièrement l'Union africaine et la communauté des États de l'Afrique centrale, doivent s'asseoir, discuter avec ceux qui aujourd'hui sont plus proches des Congolais, des populations, pour voir ensemble quelles solutions trouver. Mais le dialogue qui est organisé, le monologue qui est organisé à Madingu, qui est une démarche, qui est une fuite en avant, est un acte qui est dangereux pour la sous-région. Parce qu'ils veulent, à travers ce dialogue, légitimer ce qui va se passer en 2021, c'est-à-dire des élections comme en 2016 qui vont se terminer par un carnage. Parce que les populations n'accepteront pas. Et quand les populations n'acceptent pas, que fait le pouvoir actuel, dictatorial qu'il est, il va tirer sur les populations. Et je ne pense pas que les Congolais qui ont subi en 2016, en 2015, le drame qu'on connaît, vont accepter un énième drame comme ça qu'on va leur vendre. Donc, il faut que dans la sous-région, il faut que les pays, on peut les citer, comme l'Angola, la RDC, le Tchad, le Gabon, pour ne parler que de nos voisins immédiats, il faut qu'ils se rendent compte qu'il y a un travail à faire là dans la sous-région. Il faut discuter. Et nous sommes ouverts à toutes ces discussions. Toutes les questions doivent être mises sur la table. Nous sommes dans une sous-région comme dans un bateau. Personne n'a envie de le percer parce que nous allons couler tous. Et pour ne pas couler tous, asseyons-nous, discutons. Vous parlez du combat que vous menez, est-ce que ce n'est pas là comme toute la diaspora qui essaie de brosser le ton derrière les smartphones, derrière
les laptops. Comment vous êtes structuré au niveau du Congo et à l'extérieur en tant que congrès pour la renaissance du Congo? Bon, nous n'allons pas dévoiler nos stratégies en interne, c'est-à-dire que aussi bien ici que sur le territoire. Mais ceux qui savent lire, ceux qui observent, ils savent très bien que le CRC est implanté sur le territoire national. Il est implanté y compris dans les environnements que revendique le pouvoir comme des formes d'entité personnelle. Nous parlons à nos compatriotes. Nous savons aujourd'hui que mes frères d'armes, les Kia, je sais qu'ils m'entendent, qui sont à la retraite aujourd'hui, qu'on qualifie de serpents sans venin, et qui ont pu servir hier une république, parce qu'ils pensaient que le président de la république était un président d'une république. Se rendent bien compte aujourd'hui qu'on les a balancés, c'était citron pressé, et qui n'ont d'autre alternative que de se débrouiller ou de crever. Est-ce qu'on va continuer à fonctionner comme ça? Est-ce qu'on va continuer? Est-ce que les jeunes qui sont dans les unités, qui travaillent, qui croient travailler pour la République, vont-ils continuer à attendre la quille pour constater qu'on les a jetés et que la mort les guette? Non. Et donc, sur le territoire national aujourd'hui, pour répondre à votre question, nous sommes organisés, structurés, avec une partie que nous voulons visible, mais nous ne pouvons pas la rendre visible parce que le pouvoir de Brazzaville, qui est brutal, qui est un pouvoir dictatorial, n'hésitera pas. Il sait très bien où vient le danger pour lui, pas pour les populations. Et donc, sur le territoire national, dans les 12 départements de notre pays, nous avons des compatriotes qui, chaque jour, appellent, demandent, ils sont à bout. Il y en a même qui se demandent qu'est-ce qu'on attend. Mais nous leur disons, nous sommes en train de nous organiser, vous et nous sommes à votre écoute, vous êtes à notre écoute, c'est vous qui êtes sur le terrain, c'est vous qui savez comment ça va se passer. Nous avons un apport à faire pour que ça se passe pour le mieux possible. Mais il est hors de question de laisser perdurer une dictature qui finira par mettre en péril la vie de nos enfants. Et donc, sur le territoire national, il y a des membres du CRC qui sont, je le dis, mais ce n'est pas pour faire plaisir, ils sont y compris dans les structures d'État. Et donc, sur le territoire, nous sommes là. À l'extérieur, oui, vous allez sur le continent américain, il y a des membres du CRC. Vous allez en Europe, il y a des membres du CRC. Vous allez en Asie, il y a des membres du CRC. Vous allez en Afrique, il y a des membres du CRC. Nous sommes partout, parce qu'il s'agit d'une cause nationale. Parce que ce que nous faisons ne concerne pas des personnes, mais concerne une cause générale, des populations. Et donc, le CRC est sur le territoire, il est à l'étranger, et ses missions sont claires. C'est mettre un terme à ce régime, l'acter par un dialogue réel qui va jeter les bases d'une renaissance nationale, passer par une transition pour recoudre ce qui a été détruit, pour remettre les pendules à l'heure, pour recréer les conditions d'un environnement, y compris sous-régional, assaini, et enfin pour faire renaître le Congo, qui a souffert pendant 60 ans. Voilà ce que nous travaillons. Si j'ai bien compris, 80% de vos membres sont au Congo-Brazzaville, à l'intérieur, et 20% sont à l'extérieur. C'est un parti politique ou juste une organisation comme ça? Nous sommes une plateforme. Nous sommes une plateforme, c'est pour ça que nous refusons de qu'on nous appelle d'opposition, parce qu'opposition c'est une formation politique. Nous sommes une plateforme de résistance et d'action. Nous résistons contre quoi? Contre une dictature. L'action c'est quoi? C'est coordonner l'ensemble de ces forces, partis politiques, sociétés civiles, forces publiques, forces populaires, pour obtenir de tout le monde une action qui mette un terme à ce qui vient de se passer au Congo-Brazzaville aujourd'hui. Donc nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes une plateforme. C'est pour ça que nous sommes ouverts aujourd'hui aux forces politiques, partis politiques et associations. Nous sommes ouverts à la force publique, parce que comme je le disais, je suis colonel, oui, mais un colonel est un citoyen avant d'être colonel. Donc un citoyen, il sait où se trouve le bien pour son peuple. Et nous sommes également ouverts au niveau de l'action aux forces internationales qui peuvent nous aider à accomplir cette mission, qui est une mission noble, qui est une action attendu aussi bien par notre pays que par beaucoup de peuples africains. Et donc, pour vous, ceux qui prendront part à la concertation de Madinou, c'est une forme de caution morale pour une nouvelle forfaiture en 2021, si j'ai bien compris. C'est une prostitution politique, excusez-moi le terme, qui doit être combattue. On ne peut pas avaliser la dictature à travers des rencontres de ce genre dont on connaît les résultats. Déjà, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la constitution actuelle
Où est passé Mbéry Martin, qui a roulé ses mécaniques pendant un bon bout de temps? Où sont passés ces gens qui tournent autour de lui? Pourquoi aujourd'hui, c'est le ministre de l'Intérieur qui reprend la main? Parce que ça n'a pas d'avenir, parce que ça ne mènera nulle part. Et quand ça ne mène nulle part, monter à bord d'un avion dont on sait que le carburant est fini, dont on sait très bien que le pilote est quelque part perdu et décollé, c'est prendre le risque de s'écraser et c'est tant pis pour eux. Un mot de la fin, le temps qui nous est imparti touche pratiquement sa fin. Le mot de la fin, c'est un appel que je lance à l'ensemble des Congolais. Qui d'ailleurs, je crois que c'est même inutile de le lancer l'appel, puisqu'ils savent. Eux aussi, ils lancent le même appel vers nous. À la limite, je pense que c'est nous qui réfléchissons trop. Ils sont dans une dynamique où vous réfléchissez trop, nous n'en pouvons plus, nous sommes en train de crever. Le seul appel qu'on peut lancer aujourd'hui à la société civile, aux religieux, à nos amis de la force publique, les gendarmes, les policiers, les militaires, à ces jeunes qui n'ont pas d'emploi, à ceux qui crèvent aujourd'hui de maladies, de Covid-19, de paludisme, qui n'ont pas de structure pour se soigner, à toute cette population abandonnée, qui est engluée dans la misère, qui voit passer devant elle des gens qui se croient tout permis, des ayatollahs qui pensent que la richesse du Congo leur appartient, il y a un seul message. Organisons-nous, réseautons, préparons-nous et agissons. Le CRC est là avec vous, de toutes les façons. Avec ou sans nous, ça se fera. C'est une question de vie. Et quand c'est une question de vie, organisons-la, organisons ces actions, organisons cette démarche pour que ça se passe au mieux. C'est valable pour nous, c'est valable pour la sous-région, qu'on nous comprenne, nous ne sommes pas des violents. Nous n'exprimons pas la violence à travers nos mots. Nous exprimons une forme de responsabilité qu'il faut prendre pour sortir notre pays d'une démarche qui est criminelle, qui est dangereuse. Et à travers notre pays, c'est l'ensemble de la sous-région. Et à travers notre sous-région, c'est l'ensemble des populations africaines. Vous savez, j'ai vu il y a quelques jours un film sur Tiaroy, le camp Tiaroy. J'ai vu comment les tirailleurs sénégalais, bon, on l'appelle tirailleurs sénégalais, mais en fait, là-dedans, il y avait également des Congolais, des Marocains, il y avait tout le monde. Comment ils ont été remerciés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais je pense que mes compatriotes, mes amis, mes frères d'armes aujourd'hui dans la force publique, sont en train d'être remerciés comme les tirailleurs sénégalais. Donc, il faut qu'eux également qui sont sortis, qu'ils donnent le peu de ce qu'ils ont dans cette lutte pour essayer d'obtenir que les jeunes qui sont restés sur les drapeaux puissent accomplir leur mission en toute responsabilité. Donc, c'est un appel à l'action, un appel à l'unité, un appel au rassemblement. Merci, Monsieur Moussounda, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du Congrès pour la Renaissance du Congo. Vous étiez donc l'invité de l'émission « Droit de savoir ». Merci aussi à nos chers téléspectateurs, à nos chers internautes qui nous ont finalement prêté leur temps. Et on se retrouve très prochainement. Merci. Merci de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à votre chaîne. Je vous en prie.